Bonjour, c'est Nathan Fleury pour une vidéo exclusive d'un jeu vidéo qui s'appelle Mario Striker Football qui est sur Wii. Tout d'abord, dans le menu, donc il y a le mode domination où on peut jouer normal, t'as la Striker, les challenges, le Panthéon, là où il y a tous les résultats, les options, les entraînements et la connexion de Wii. Je vais vous montrer un petit match dans le mode domination. Donc d'abord, on prend comme niveau superstar. En plus, il y a un niveau de plus que son GameCube, c'est le niveau frappe. Donc, moi je prends le 3. Après la durée, là c'est aussi c'est amélioré. Vu que là c'est sur des challenges. Donc, 1, 3, 5, 7 et 9. Moi je vais prendre 1. En minute ou en but, je prends les minutes 3. Après, il y a les options spéciales qu'on débloque dans les challenges. Donc, il y a les capitaines. Voilà, donc il y a Mario, Peach, Donkey Kong, Waluigi, Luigi, Wario, Bowser, Yoshi, Daisy, Bowser Jr. et Donkey Kong. Il y a différents types, les complets comme Mario, Luigi et Yoshi. Il y a les types collectifs comme Peach et Diddy Kong. Il y a les types puissants comme Donkey Kong et Bowser plus Flora Piranha qui est un personnage que j'ai toujours pas développé qui sera ici. Il y a les offensifs comme Wario et Bowser Jr. et il y a les types défensifs comme Waluigi et Daisy. Donc moi je vais prendre Yoshi et on va mettre face à... on va dire Mario. Après c'est pareil, c'est pas comme GameCube. Là il y a les... il y a 3 personnages différents. Il y a beaucoup plus de personnes, il y a 8 personnes. Au lieu de 4. Les nouveaux c'est Scarlet, Boo, Maskas et Topitop et Maskas. Donc moi je vais garder Scarlet à l'arrière. Et devant il y a cela, ça de fermé. Donc moi je vais mettre Chirushi. Voilà les différents stades. Je vais prendre un simple. Ouais, le camp, tiens. Et on va prendre le camp. Voilà. Et je vais vous expliquer un peu comment on y joue. C'est tout à fait logique en soi. Donc voilà, là, le stand, il est comme ça. Il est très joli. Alors, on prend en jeu, en fait, il y a d'abord celui qui est pas là, qui fait un truc pour déstabiliser l'adversaire. Et là, il y a notre capitaine qui arrive avec sa musique et l'engagement qui se fait maintenant. Alors il y a les percussions. Voilà. Tiens, Maskas m'a pris la balle. Alors en fait, ce qu'il y a de mieux c'est que la GameCube, il y a des tirs spéciaux comme celui de Scarlet que je viens de vous montrer. C'est vraiment, j'aime pas vraiment les équipes comme ça, où c'est à complet. Et il y a déjà un... ouf, ça fait mal. Ouais, ça c'est les objets spéciaux que tous les capitaines ont. Celui de Yoshi, c'est... il va dans son œuf. Son célèbre œuf. Il y a les esquives aussi, que je n'utilise pas souvent, parce que je ne sais pas vraiment quand les faire, c'est ça le problème. Alors un petit tir de son marteau, et voilà, je marque. Ça c'est un nouveau camp, hein. C'est un nouveau terrain, je veux dire. Alors, en plus ce serait pas un grand niveau de joueur parce que dans les coupes, dans la coupe Striker, il y a la coupe feu où c'est que des débutants, il y a la coupe cristal où c'est des professionnels, et il y a la coupe Striker, la dernière, où c'est complètement des superstars, voire même des légendes. Donc c'est complètement autre chose. Ah, et je vais débloquer mon objet spécial. Ouh!
En plus, je me faisais une percussion juste derrière, donc un peu de la chance pour moi aujourd'hui. Il bondera pour les équipiers de Yoshi. D'accord. Le match finit dans à peu près une minute. Ah, ça c'est le tir spécial. Alors voilà, on le voit en l'air et il va tirer avec un joli truc. Et avec le goal, on doit arrêter les ballons avec une vitesse régulière. Voilà, je les arrête tous. Après, il y a différents niveaux de là, j'utilise mon objet. Vous avez vu le poteuf? Est-ce que... Hop, une petite carapace. Ah mince, je me renvoie sur moi-même. Scarlet, c'est un défensif, ça se voit parce qu'il fait de belles percussions. Les équipes, alors j'ai pas envie de me prendre un deuxième but et j'ai gagné 2-1. Ça va, j'ai gagné. Alors vous voyez, hein, ça c'est les moments forts. Le moment fort numéro 3, c'est mon deuxième but de Scarex. Le moment fort numéro 2, c'est celui de Frère Martin de Yoshi, une bête. Et le moment fort numéro 1, c'est le tir de Mario. Oh, c'est magnifique. Bon bah, c'était ma première vidéo. Je suis content de l'avoir faite. Bah, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres matchs. Salut tout le monde. Avant les statistiques, peut-être. Yoshi remporte la série 1-0. Yoshi réussit à gagner contre Mario 2-1 dans le match numéro 1 de la série. Et ça, c'est les statistiques. Ok. Allez, je vous dis salut !